Je m'appelle Carla Van Overfeld. Avant, j'ai fait 2 années en école de commerce à Bordeaux. Bonjour, je m'appelle Idriss Ba. Je suis originaire de la Guadeloupe et du coup, ça va faire 5 ans que je suis à Bordeaux. J'ai fait un BTS communication en initial, rien à voir avec l'immobilier. Et ensuite, j'ai réalisé une année de césure où j'ai plus travaillé, touché un peu à tout. Et j'ai décidé par la suite de me spécialiser dans l'immobilier. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'ESG afin de suivre une formation et d'avoir des compétences dans le secteur. Et puis là, je suis en alternance. Alors moi, je n'ai pas du tout entendu parler de l'école. J'ai tapé sur Internet « école dans l'immobilier à Bordeaux » et c'est sorti en premier. J'ai cliqué dessus, j'ai regardé où c'était sur Bordeaux et j'aime bien ce coin. Donc je me suis présentée aux portes ouvertes en avril. Et moi, du coup, à travers mes recherches, du coup, j'ai trouvé l'école ESG et j'ai trouvé que la formation qu'ils proposaient correspondait aux compétences que je voulais acquérir. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de m'inscrire dans cette école et de passer les concours afin d'y accéder. Parce que c'était une filière où on allait découvrir plusieurs métiers, pas qu'un seul métier. À la base, je veux être agent immobilière, mais peut-être qu'il y a d'autres métiers que je ne connais pas. Donc c'était pour pas me fermer de porte, on va dire. Et moi, du coup, c'était pour avoir aussi une formation qualifiante dans le secteur et aussi découvrir tous les différents métiers de l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est assez vaste. Il y a de la promotion, il y a de la transaction. Donc, je voulais voir tous les métiers, avoir fait un choix et vraiment m'orienter dans le métier que je souhaite exercer dans le futur. Moi, j'ai passé le concours en distanciel. Ils m'ont vraiment accompagné pour trouver l'alternance, du coup, à travers une session de recrutement. Donc c'est comme ça que j'ai pu trouver l'alternance. Pareil, mais j'ai passé le concours depuis chez moi. On a été très bien accompagnés par Hugo Crave, qui a été là de A à Z, parce que sans lui, j'aurais pas eu d'alternance. Et ça, je lui en remercie. Et franchement, pareil également. Ouais. Parce que j'ai même pas eu à chercher d'alternance. Que grâce à la session de recrutement, à ma première session de recrutement, ça a directement conclu à une journée d'intégration à l'entreprise qui est juste en face. Et du coup, j'ai été pris. Donc franchement, j'ai pas galéré comme on peut dire. C'est bien d'avoir de l'ambition. Après, je pense que c'est bien de même quand on sort des études, de se former dans une autre agence. Enfin, dans mon cas, vu que je vais être agent immobilier. Mais dans le futur, j'aimerais avoir ma propre agence. Après, vu que l'année est longue, donc mes idées peuvent changer. Mais pour l'instant, peut-être faire un master par la suite. Soit dans la continuer dans l'entreprise où je suis, c'est-à-dire dans la promotion. Soit après, m'orienter vers la transaction. Mais j'aimerais bien faire de l'immobilier de luxe. J'ai 20 ans et à un moment donné, on a envie de mettre un pied dans le monde du travail. Et en plus, on est rémunéré et c'est l'entreprise qui peut payer nos études. Donc, c'est bien plus avantageux que d'être en initiale. C'était vraiment pour pratiquer le côté entreprise et le côté école. Parce que souvent, les entreprises, quand on n'a que le côté école, ils nous reprochent qu'on n'a pas d'expérience. Du coup, ça me permet d'avoir les deux, donc une paire de coups. Et vraiment de mettre en place ce qu'on va avoir en cours, c'est-à-dire la théorie et par la suite, la pratique. J'aimerais avoir toutes les clés en main pour être agent immobilier, en apprendre le plus possible. M'y connaître pour avoir vraiment des compétences solides dans le secteur et avoir mon diplôme, bien sûr. Très important. Très bien, c'est vrai que les locaux sont super. C'est toujours agréable de travailler dans des bonnes conditions. On est bien entouré dans le sens où si on a une question à l'administration ou en bas à l'accueil, moi j'ai été vite redirigée, donc c'est super. Et on voit qu'on a une équipe qui est derrière nous, qui est prête à nous accompagner tout au long de l'année. Donc franchement, très bonne entrée, très bon accueil.